Depuis septembre 2020, Caroline Receveur est installée à Dubaï avec son mari Hugo Philippe et leur fils Marlon. Chaud de température, fiscalité avantageuse, sécurité. La jolie blonde a elle aussi fait le choix de poser ses valises dans la célèbre ville de Émirats Arabes. Ce jeudi 18 février 2021, la mère de famille a contre toute attente fait la une des médias après l'annonce du journal Le Monde. Caroline Receveur serait dans le viseur du fisc à la tête de plusieurs entreprises, à savoir une marque de The baptisée Wandertea, une marque de prêt-à-porter nommée Ricici Paris et une marque de produits capillaires nommée Osez Beauté. La jeune femme de 33 ans aurait attisé la suspicion du fisc qui avait, en 2019, ordonné une perquisition à son domicile ainsi que dans certains de ses locaux. Sa société à Hélène de Clive, qui gérait sa marque de thé Wandertea et qui a été transférée de la France à la Grande-Bretagne en 2014, n'aurait pas de moyens suffisants pour accueillir une activité professionnelle. Le siège social de la société Island de Keys Limited serait situé à une adresse regroupant un grand nombre de sociétés, et ne semblerait pas disposer de moyens humains et matériels suffisants pour exercer une activité conforme à son objet social. Peut-on Mundir tacle Caroline Receveur? Si Caroline Receveur n'a pas réagi, un ancien candidat de Koh-Lanta s'est empressé de sortir, et cet ancien candidat n'est autre que Mundir. Comme je vous le disais, les choses vont changer pour les codes promo, a-t-il écrit en légende d'une capture d'écran d'un article évoquant Caroline Receveur. Mundir a ensuite pointé du doigt les candidats de télé-réalité installés à Dubaï. Le fisc français débarque à Dubaï, a lancé le père de famille avant d'ajouter. Le fisc débarque sur les profils des gens de télé-réalité. La note va être très lourde, voire terrible. Il y a quelques mois, Mundir, qui présentait l'émission Mundir et les apprentis aventuriers sur W9, avait déjà vivement critiqué les candidats de télé-réalité qui s'enrichissent grâce au placement de supérieur à Alire aussi. Caroline Receveur très critiquée sur sa prise de poids après cette photo. Elle répond car j'ai fait une grosse mise au point à Aliénor de la Fontaine et Alire aussi. Caroline Receveur rayonnante à Dubaï. Cette nouvelle photo en bikini blanc qui laisse en voix Caroline Receveur dans le viseur du fisc français.